ici Blue Leader, leur hache est imminente. Green Leader, ici Red Leader, attention, silence radio réclamé, je répète, silence radio. Désolée, faut que j'y aille, sinon Fred va encore me faire une scène. Ok, allez, à plus, Kira. Compagnie Black et White, préparez-vous. Ça, mais on n'a pas de compagnie Black et White. Enferme-la. Mais si je veux. Nous avons failli nous faire repérer, mais la mission continue, je répète, la mission continue. Vous aimez les grosses barres? En voici une mouse. Oh, c'est dégueulasse! C'est de la gueule ou de la light? De la light? Dans ce cas-là, elle t'en est pas. C'est juste les soldats. Seul détient le fabuleux secret de la vie éternelle. Tu le gardes jalousement et tu me laisses. Seul. Oui, seul. Dans l'obscurité. Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'après-ciné. La chaîne du passionné. Les amis, aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD en édition simple de House of the Dead numéro 2. L'histoire. Une contagieuse infection transmise par des zombies se répand sur un campus. Une agence gouvernementale est dépêchée pour trouver le patient zéro, le zombie à l'origine de l'infection. Plus exactement, c'est une zombie. Plongée au cœur d'une traque acharnée dans la lignée de Resident Evil et l'armée des morts, la chasse aux zombies est ouverte. Et là, bon, là, l'étiquette qui gêne, là, mais c'est marqué en fait fermer toutes les portes en dessous.
Eh bien, avec avec Dead Rising Watchtower, c'est l'un des meilleurs films de zombies que j'ai pu voir jusqu'à ce jour. Très agréablement surpris. Je l'ai trouvé très bon. Ça commence comme un genre de comédie plus ou moins de teenager, un peu du style de dans le contexte, l'ambiance de American Pie. Mais après, très vite, ça bascule vraiment dans l'horreur. Mais alors, toujours avec, des fois un peu de. Voilà, pour détendre l'atmosphère, des situations légèreté, hein, de comédie, qui, j'ai trouvé ça fonctionnait vraiment très bien pour moi. J'ai passé un agréable moment, bien agréable même. Et, que demande le peuple? J'ai redécouvert, parce que c'est une actrice que j'avais vue, je ne sais plus dans quel film. Je la confonds avec une autre. Emmanuelle Vaugier, cette Canadienne très charmante et magnifique, et âgée de 47 ans aujourd'hui, ainsi que d'autres actrices, c'est un rôle secondaire, Victoria Pratt, qui... par sa blondeur m'a attiré, et cette aussi jolie brune dans un troisième rôle vraiment qui a peu de répliques, mais le peu de temps qu'elle est à l'écran m'a bien plu, quoi. Cette charmante Nadine Velasquez et vraiment un beau casting féminin, et le masculin n'est pas en reste, puisqu'il y a l'icône des films d'horreur, le bien nommé Sid Haig, hein, qui a joué dans, eh bien, pour moi, la première fois que je l'avais vu, c'était dans La Maison des Mille Morts, hein, de Rob Zombie, et qui a fait les deux autres films, hein, Devil's Reject, et le dernier que j'ai pas encore vu, Free from Hell. Voilà, c'est le monsieur de l'horreur, hein, grand Sid Haig, excellentissime. Il a pas beaucoup de répliques, et le peu de temps qu'il a à l'écran, c'est un régal. Et n'est pas en reste aussi, j'ai mangé son nom, c'est Ed Harris, qui fait le partenaire de cette charmante Emmanuelle Vaugier. Et le casting, des deux bords est bien réparti au niveau de la qualité. Même les troisièmes rôles, je les ai trouvés savoureux. Le doublage français, il est bon, il faut le souligner, puisqu'il y a une importance capital. Si vous avez un mauvais doublage d'entrée, c'est mauvais signe. Un mauvais doublage français égale généralement un mauvais film. Et là, c'est tout le contraire. Un des points forts du film, c'est les trucages, les effets spéciaux. Alors, il y a beaucoup d'effets
à l'ancienne, donc tout ce qui est maquillage de zombies, voilà, tout ce qui est le gore. Et il y a peu de, vraiment très peu de, d'effets numériques. C'est vraiment que, pratiquement que de, du trucage à l'ancienne. Ça, je le préfère et je l'adore. J'ai trouvé que c'était un excellent travail, notamment sur certains plans, voilà, un gros plan sur les zombies, dont le, la patiente zéro. Et aussi d'autres, d'autres zombies que l'on voit vraiment de très près. J'ai trouvé ça très bon. L'ambiance photographie du film, c'est du, de l'excellent travail, puisque et c'est bien essentiellement tourné de nuit. Il y a très peu de moments tournés le jour. Vraiment, du, notamment quand même dans les, tout ce qui est les couloirs bien sombres et tout ça, c'est, je trouvais qu'il y avait un très bon cadrage. Et c'est très important aussi dans un film. Parce que si c'est mauvais, mal cadré, ça, déjà, ça flingue bien le plaisir de visionnage. Il y a un bémol pourtant au niveau de la manière de filmer. Je ne sais pas pourquoi le réalisateur a fait ça. Sans entrer trop dans le détail, pour éviter tout spoilers, parce que ça, c'est une vidéo entièrement sans spoilers, les amis. C'est, il y a une scène voilà, où la caméra tourne autour des personnages, ou donne l'impression que les personnages tournent autour de la caméra et inversement. J'ai trouvé que c'était ça m'avait dérangé, ça. J'avais pas aimé ce plan là. Mis à part ça, bon ben, à part cette erreur, bon. Nonobstant, l'ambiance du film, donc l'atmosphère, tout ça, est vraiment. On est vraiment dans le film de zombies. Et pour moi, ça a été un vrai bonheur. La musique du film, ben oui, elle correspond plutôt bien, bien à cette ambiance, hein, à ce genre de film. Mis à part peut-être un thème, oui, qui est à la fin du générique, mais enfin bon, c'est vrai que c'est une musique d'appoint, donc je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un rapport avec un film de zombies, mais enfin bon. Mais sinon, oui, en fait, la musique, elle est quand même omniprésente et assez discrète, mais en fait, on est tellement, voilà, j'étais tellement dans le film que j'y ai pas fait vraiment attention, mais ouais, ça m'a pas sauté à l'oreille que si elle correspondait ou pas, donc c'est du bon travail au niveau du thème musical qui est aussi très important dans le succès d'un film, la contribution au succès que peut avoir un film. Exactement. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, je pense. Bon, alors maintenant, alors le titre exact en anglais c'est House of the Dead to Dead Aim, le sous-titre, et c'est une suite. Au premier abord, qui ne semble pas être directement celle du premier opus, mais en fait, oui, puisqu'il y a un personnage qui n'est pas joué par la même actrice, qui est dans le premier opus. Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est du 100%,
Non spoilers, je rectifie. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas spoilers à 100%, c'est le contraire. C'est 100% sans révélation, sans détail précisément. Pour eh bien, vous donner tout le plaisir de pouvoir découvrir eh bien, ce bijou. Hein. C'est une pépite hein, pour moi, hein. Y a pas à chier. Voilà, donc il y a une corrélation plus ou moins voilà, directe avec le premier opus, sauf que la grosse différence, c'est plus dans l'île de la Muerte, ça se passe dans un campus universitaire. Je vois là que j'ai fait le tour, mes chers amis, pour ce que j'avais à dire. Maintenant, eh bien, présentation du DVD et après je vous montrerai l'interface hein, à l'écran. Donc je remonte voilà, la jaquette donc de présentation, le recto et le verso. Voilà, derrière, bon, c'est sombre. Alors je vais vous. Voilà. On voit quelques vignettes du film. Avec la pochette est sombre hein, quand même. Hein. On ne voit pas forcément bien. Là, on voit que c'est un zombie, mais bon, c'est quand même très sombre. D'ailleurs, on voit la même tête ici. Voilà. Donc, je répète, ça se passe pas dans une maison en tant que telle. C'est dans un campus universitaire. La différence hein, au niveau de l'endroit. Maintenant, je vais vous parler de la description changer de lunettes. Non, je me suis trompé de lunettes, il faut que j'en prenne celle de près. Voilà. Alors, au niveau de l'interactivité, donc je vais vous la montrer en détail hein, après à l'écran. Vous avez les commentaires du réalisateur scénariste, des scènes supplémentaires, la maison réinventée, de points une suite sanglante, mini documentaire, et des films annonces. Le format du film inspecté, c'est 1.85, 16/9. Compatible 4 tiers, la durée c'est 1h32 minutes, un film en couleur, dans les langues français, anglais, allemand, et en sous-titre français, anglais, allemand, arabe et turc, ce qui est quand même plutôt rare pour bien pouvoir voir ça en sous-titre. Bon, c'est voilà, c'est quand même plutôt rare de voir ça. C'est un film qui est distribué par Columbia TriStars. Et au niveau de la restriction d'âge, juste marqué un accord parental. Bon, moi, si j'étais parent, je déconseillerais quand même au moins de 16 ans, puisque 16 ans, oui. Puisque quand même, il y a vraiment beaucoup de violence, d'effets gore et quelques scènes de nudité qui sont au total, il y a trois scènes de nudité. Bon, ça mange pas de pain, mais enfin bon, ça frôle un peu l'érotisme. Vraiment, c'est assez furtif, mais enfin bon, hein. C'est pas un film à montrer aux enfants. Il y a un petit bonus dans le DVD hein, à l'intérieur. Bon, le disque il est dans la PS3. Hein. Donc, d'ailleurs, au niveau de la sérigraphie, c'est la même que la jaquette. Voilà, donc celle-ci, voilà. Fermer toutes les portes. Donc là, on voit mieux quand même. C'est un petit pamphlet, là, voilà. Qui est publicitaire, puisque derrière, il y a annonces des films d'horreur de l'époque. Hein. Bon, faut savoir que c'est un film qui est sorti en 2005. Donc, il y a Hostel. Et souviens-toi, l'été dernier, numéro 3. D'ailleurs, ces deux films-là, je les ai vus.
Que dire d'autre? J'ai fait le tour, voilà. Et maintenant, je vais finir. Et cela conclura cette vidéo pour aujourd'hui. Je vais vous donner avant cela ma note pour ce film, que j'ai trouvé très bon. 16 sur 20, et je vous recommande de le voir. Je ne l'ai pas eu cher en occasion chez Easy Cash. Enfin, c'est correct. Maintenant, bon, il serait beaucoup moins cher puisque je l'ai acheté il y a 3 ans. Puis 3 ans et demi même. Je l'ai acheté 2,99€ chez Easy Cash. À mon avis, maintenant, il doit valoir 1€, voire moins encore. Allez, et en occasion. Hein. Bien. Maintenant, c'est parti pour l'interface du DVD, édition simple. Et voilà, donc l'interface du DVD, qui est avec aucune animation, hein, qui est figée. Bon, alors, donc maintenant, c'est parti pour vous faire défiler tout ça. Donc, l'envoi du film. Bon, là j'ai mis l'option avec les commentaires du réalisateur, parce que je vais revoir ce film une deuxième fois pour savoir tous les tenants et aboutissants du film et les commentaires du réalisateur pour expliquer plus dans les détails. Mike Hurst, I'm the director of the film. And I'm Mark Altman, I'm the writer and producer of the film. And there's no need to adjust what TV sets, I have an English accent. Wow, you know, here we are at House of the Dead 2, and I gotta tell you, I never thought I'd be doing commentary on House of the Dead 2. I had been involved in that. Voilà. Donc les langues. Français, anglais, français, allemand. Les sous-titres. Il y a de quoi faire, comme vous voyez bien. Quand même français en commentaire, hein, ainsi que allemand en commentaire. Ce qui est quand même, eh bien, l'allemand en commentaire, c'est la première fois que je vois ça. Donc l'interactivité est toute en VOST. Donc là, c'est Emmanuel Vaugeois qu'on devine là. Une très charmante actrice qui est plutôt rare maintenant. Elle fait plutôt elle travaille plutôt pour la télévision. Mais depuis 2020, depuis le début de la pandémie, elle fait plus rien, pauvre chérie. Il faudrait bien qu'elle revienne faire ma fille un jour faire un film d'horreur. Les chapitres, alors tous sont tous aucune animation. Hein. Tout est figé. Juste un petit effet spécial là. Les taches vertes là ici. Hein. Pour l'animation. Enfin, pour l'habillage du des chapitrages. Du chapitrage. Alors, je vous refais voir parce que je me suis loupé là. Donc les chapitres. Voilà. Il y en a 28. Voilà. Donc là, je vais revenir au menu principal. L'interactivité dans les commentaires du réalisateur, hein, scénariste et du scénariste. Donc, je vais montrer un peu les scènes supplémentaires. Elles ne sont pas légion, mais c'est toujours mieux que rien. Comme moi, je suis un bonus vore, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait au moins une heure de bonus.
C'est trop court, beaucoup, beaucoup trop court pour moi, mais enfin bon, hein, c'est toujours ça de prix. Hein. Ouais. Donc il y a 5 scènes en tout. Hein. Sorry, I get carried away. Boys with toys. Oh, nice. Let's have a look-see. Oh, no, no, no. Oh, yes. And this thing is going to get downloaded more than the celery girl. Who? Some chick who did herself on camera to the Divinals, and then... You know, her boyfriend put her online for the whole entire world to see. Sweet. Choice. I have it on DVD. You know what? This might be better. Maybe a top 10. Oh. Ah, ça me plaît beaucoup, ça. Il y a des petites scènes supplémentaires savoureuses. Donc là, c'est le mini-documentaire. La maison réinventée, une suite sanglante. Donc là, ça dure 13 minutes et 24 secondes exactement. And blood everywhere. A lot of action. Zombies fighting. Heads exploding. Bullet holes and needles, guts hanging out. A lot of body parts. 40 gallons of fake blood. Puddles on walls and there's puddles everywhere. Very sick minds. A lot of blood, guts and gore. In the second film was make a film that really satisfied all the fans of the game as well as fans of the zombie genre. We knew we really wanted to elevate the picture and do something different than the first movie. So I optioned a script called The Nest by two talented German writers, and we basically kept the premise from that, which was the hunt for patient zero, if you will, the original zombie, so we can extract a cure, and special forces. That was something that we got. It's ironic because in my original conversations with Uwe in Vancouver, when we were making the first one, he said, so, what will the sequel be? And I said, eh, zombies on a college campus. I want to do Starship Troopers on a college campus. Ironically, the script that had been written had all those elements. And Steve, yes, sir. So you're lying backwards. It takes a special person to be able to direct a film of this magnitude in 18 days. We met the Bond company, obviously, to get the film insured at the outset and stuff, and we showed them the script, we showed them the schedule, and they just said, no fucking way, there's no way you'll get this done. Working with Mike Hurst has been fabulous because we're completely simpatico. He's a writer also, so he's really respected the script, and we worked incredibly well together. Voilà, donc je vais finir par les différents films annonces pour vous faire voir. Il y a Hollow Man 2, Souviens-toi l'été dernier 3, L'affaire CIA, Da Vinci Code, Hostel, La couleur du crime, Ultraviolet et Population 436. Eh bien, voici ce qui finit cette vidéo pour aujourd'hui. Alors, j'espère que cela vous aura plu. Alors, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M si vous avez aimé cette vidéo. Et laissez-moi surtout vos commentaires en dessous pour que nous puissions discuter de ce film. Que je vous recommande fortement si vous aimez le genre des films de zombies. N'oubliez pas de me suivre également sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Facebook, ma page Facebook Post Ciné, compte Twitter
l'après-ciné. Instagram, ciné, petit tiré, série au pluriel, petit tiré, passion. TikTok, Leatherface for... je me suis trompé. TikTok, c'est Slasher Forever 1970. Et Snapchat, Leatherface 1973. C'était Fred. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!